Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Lan trop trop, Lan trop trop, trop trop rigolo. Lan trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Je vais m'habiller tout seul. Bah, où sont passés mes vêtements? Maman a oublié de préparer mes habits. Tant pis. Je vais les choisir moi-même. Il y a tout ce qu'il faut dans mon placard. Ça va être amusant de mettre plein de vêtements. Je commence par la culotte et le pantalon. Le t-shirt. Et après, le pull. Maintenant les chaussettes. Les chaussures. Pas celles-ci, elles sont trop difficiles à mettre. Pas celles-là, elles font trop mal aux pieds. Les bottes, c'est ce qui est le plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans, ça glisse tout seul. Quand on va dehors, il faut un manteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon bonnet et mes moufles. Maman les avait cachés là. Nounours aussi doit s'habiller. Et voilà, Nounours, on est prêt. Mais... oh là là, j'ai trop chaud. Oh, viens dans l'autre trou, ça fait du bien. Mais... c'est vrai, on est en été. J'avais oublié. Maman m'avait préparé mon maillot de bain. Ah, ça va plus vite de s'habiller quand c'est l'été. Oh. Maman, je peux aller jouer dehors? Il pleut très fort, trop trop. Ce n'est pas une bonne idée, tu vas être tout mouillé. Oh, ça y est! Viens, Nounours. Il ne pleut plus. On va jouer dehors. Ce qui est bien avec les bottes, c'est qu'on peut marcher dans les flaques d'eau. On n'a pas les pieds mouillés. C'est rigolo, on est dans l'eau et on sent ses pieds tout chauds. On peut même sauter un peu. Même beaucoup. On peut même faire des glissades. Youpi! Une autre!
J'ai de l'eau dans mon pantalon et même dans ma culotte. C'est froid. Et à force de sauter, il y a un peu d'eau qui est entrée. Une dernière. Ouais. Cette fois, on est vraiment tout trempé. Et quand on est trempé, on est aussi glacé. Viens, nounours, rentrons au chaud. Tiens, il pleut encore. Mais tu es tout mouillé. Va vite te changer, te sécher devant la cheminée. Trop, il y a du désordre dans ta chambre. C'est mes jouets. Oui, mais il y en a vraiment partout. Il faut en ranger un peu. Si tu veux, je t'aide. Non, je vais ranger tout seul pour te faire une surprise. Oh. Bon, les jouets, je les rangerai après. Oh là là. Comme la bibliothèque est mal rangée. Oh là ! Encore tout ça. J'ai beaucoup de livres à ranger. Ceux que je préfère, je les mettrai sur l'étagère du bas. Au milieu, ceux que j'aime bien. Et tout en haut, ce que j'aime le moins. Celui-là, il est bien ou très bien? C'est trop difficile de décider. Je le ferai après. Oh, mais là aussi, c'est très mal rangé. Et hop, voilà un cube rangé. Hop, deux cubes rangés. Dernier cube rangé. Voilà. C'est drôlement amusant de ranger. Oh. Oh, mes dessins. Celui-ci, je l'aime bien. Celui-là aussi. Oh, le plus beau. Ce coffre à jouets est en désordre. Allez, courage. Il faut tout sortir pour bien ranger. Oh ! Mon doudou tout mou de quand j'étais bébé. Le doudou vole. Oh non, trop trop ! Maman, tu sais, j'adore ranger, mais est-ce que tu peux m'aider pour finir? Oh là là! Au secours! S'il te plaît, j'aime bien ranger, mais à deux, c'est mieux. Voiture jaune. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là non plus.
Elle est sûrement dans mon coffre à jouets. Oh, ma trompette! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mon flacon à bulles, je l'avais oublié. Ça ne marche pas. Oh, il n'y a plus de produits à bulles. Heureusement que maman sait le fabriquer. Maman, je n'ai plus de produits à bulles. Donne-moi ton flacon, Trotro. Il faut un peu de savon liquide et beaucoup d'eau. Voilà, Trotro, c'est prêt. Regarde, maman, je fais plein de bulles. C'est magnifique, Trotro. Mais va plutôt les faire dans le jardin. Je vais faire la plus grosse bulle du monde. Quelle est belle. Ah, je vais la garder pour la montrer à Lily. Oh, oh, je vais en faire une plus grosse et plus solide. Eh bien, je vais en faire plein. Il y en aura bien une qui n'explosera pas. Bonjour, Trotro. Bonjour, Trotro. Bonjour, Lily. Bonjour, Boubou. Vous venez jouer avec moi? J'ai vu tes bulles, alors j'ai apporté mon flacon à bulles. Et moi aussi. Regardez, je crois que c'est la plus grosse bulle du monde. Moi, je vais essayer de faire les plus petites bulles du monde. Bravo, Lily. Et moi, je vais en faire le plus possible. Moi aussi. Que c'est joli. On dirait un jardin de fées. Ah, je parie que la prochaine qui éclate, c'est celle-ci. Tu es très fort, Boubou. Allez, encore. Ce qui est bien avec les bulles, c'est que quand on a fini de jouer, on n'a pas besoin de les ranger. Chic, il neige. Je vais pouvoir faire un bonhomme de neige. C'est facile. Allez, roule boule, petite boule. Voilà une grosse boule pour le ventre. Pour faire la tête, c'est simple. Je vais rouler une autre boule. Et voilà mon bonhomme de neige. Oh, mais il te faut des yeux. Tiens, les voilà. Et maintenant, une bouche. Je n'oublie pas ton nez. Te voilà avec un grand nez. C'est pour mieux respirer. Maintenant, tu es un vrai bonhomme de neige. Brrr, j'ai froid aux mains. Je vais rentrer maintenant. Oh, mais toi aussi tu dois avoir froid. Tu es lourd. J'ai une bonne idée, je reviens te chercher. Ici au moins, tu n'auras pas froid. Mais qu'est-ce que c'est que cette flaque d'eau? Oh, il coule. Trotro, ton bonhomme de neige commence à fondre. Mais pourquoi l'as-tu rentré? Il fait trop chaud dans la maison. Mais il avait froid, papa. Je voulais le réchauffer. Trotro, si tu veux garder ton bonhomme de neige, tu dois le laisser dehors.
Tu vas avoir une bonne surprise. Coucou, c'est moi. Tiens, habille-toi, sinon tu vas prendre froid. Bonne nuit, bonhomme de neige. Moi aussi, j'aime bien faire de beaux rêves. Tu as vu ça, nounours? Mais où es-tu, mon petit nounours? Ah, je t'ai trouvé. Mais tu es tout sale. Viens, je vais te faire prendre un bain. Voilà, nounours. Ton bain est prêt. Ne t'inquiète pas. Tu vas redevenir tout propre. Quel beau plongeon, nounours! Bravo, nounours! Tu es un vrai champion! Moi aussi, j'aime bien prendre mon bain. Maman, tu peux me faire couler l'eau du bain? Une seconde, je termine ce travail et j'arrive. Joue un petit peu en attendant mon trottreau. Maman met longtemps à finir son travail. J'ai une idée. En attendant maman, je vais aller chercher mon canard en plastique pour le mettre dans le bain. Mon canard jaune pour le faire nager. Peut-être que je peux aussi apporter mon bateau. Mon petit bateau, dans l'eau, ça va être rigolo. Il y a encore beaucoup de place dans cette baignoire. Je vais chercher mon ballon. Un ballon comme à la plage. Je vais aussi rapporter mon seau et mon râteau. Et voilà, il ne manque plus que mon arrosoir rouge. Je vais le chercher. En plus, j'ai trouvé plein d'animaux pour jouer dans mon bain. Qu'est-ce qui manque encore? Il ne manque plus que toi, nounours. Alors, Trotro, tu es prêt pour prendre ton bain? Oui, maman, regarde, j'ai tout préparé. Mais Trotro, il n'y a plus de place pour l'eau. Ça ne fait rien, maman. Haha, je vais prendre un bain de jouets. Trotro, tu me passes le crayon rouge, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas, alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Touche pas au volant, il est fragile. Tu vas le casser. Mmh.
celui-là, c'est mon préféré. Oh. J'ai envie de le regarder maintenant. Non, pas ma trompette. Oh. Lily, ah, donne-moi mon avion. Tiens, et prends aussi ton ballon. Bravo, tu as gagné, Trotro. Tous les jouets sont tombés. Ce sont mes jouets. Eh bien, je vais aller prendre mes jouets. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non, je m'amuse trop bien. Oh, Lily, laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé! Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer. Waouh! Se prêter les jouets, c'est plus rigolo. J'adore la tarte aux fraises. Je vois ça, Trotro. Je vais faire une petite promenade, Trotro. Tu veux venir avec moi? Non, papa, je préfère rester à la maison. Tu sais, aujourd'hui, Boubou vient jouer avec moi. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Oh, oh. À tout à l'heure. Maman, où est Boubou? Mais Trotro, Boubou ne vient pas tout de suite. Il arrive tout à l'heure pour le goûter. Oh. Va jouer un peu en l'attendant. Oh, je n'ai pas envie de jouer tout seul, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Le nouveau fauteuil à bascule de papa, je vais l'essayer. C'est rigolo de se balancer avec le fauteuil de papa. Qu'il y a d'autre pour jouer dans cette maison? Ce tapis me semble parfait pour les galipettes. Je vais battre mon record. Et un, et deux, et trois. Oh, oups! Oh, j'ai presque fait une bêtise. Heureusement que j'ai une autre idée de jeu très amusant. Voici un magnifique trampoline. Et hop, sur les pieds. Et hop, sur les fesses. Et hop, sur le dos. J'adore sauter sur ce lit. Et voilà une bonne cachette. Mais... il n'y a personne pour me trouver. Trotro, oh, Boubou est là. Chic, Boubou est arrivé. Je reste cachée pour que Boubou me cherche. J'espère qu'il va vite me trouver. Trotro, Trotro, où es-tu? Boubou, tu m'as fait peur, Trotro. Quelle bonne cachette. Je connais une autre, Boubou. Suis-moi. Ça ressemble à une petite cabane.
Oh, j'adore ta maison, Trotro. Il y a plein de choses pour jouer. Oui, dans ma maison, on s'y amuse toujours bien. Surtout quand il y a mon copain Boubou pour jouer. Trop fort, on ne peut pas jouer dehors. Peut-être que si on dit stop pluie, tous les deux ensemble, elle va s'arrêter. Allez, à 3. 1, 2, 3. Stop pluie! Ça ne marche pas. Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller tous les deux. Il pleut et on ne sait pas à quoi jouer. Vous pouvez jouer aux animaux devinettes, par exemple. C'est quoi les animaux devinettes? Eh bien, j'imite un animal et vous devez deviner lequel c'est. Cote, une poule! Oui, c'est bien. Continuez tout seul pendant que je vais préparer votre goûter. C'est moi qui commence! C'est une grenouille! Gagné, à toi de faire! Facile, c'est un canard! À moi! Miaou, 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 miaou! Je sais, tu es un chat! Oui, comme ça je te mange, petit canard! Oh, je ne suis plus un petit canard, je suis un gros chien! Miaou! Ouf, ouf! Tu ne peux pas me rattraper parce que maintenant je suis un cheval. Tagadak tagadak. Si je peux te rattraper parce que je suis un loup maintenant. Et moi, je suis un papa ours qui veut lire son journal tranquillement. Si le loup m'attrape, je ne crains rien, parce que maintenant je suis un tigre. Tu ne peux rien faire contre moi, je suis très fort, je suis un éléphant. Pom, 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 pom. Eh bien moi, je suis un éléphant tigre. Mais ça n'existe pas un éléphant tigre. Maintenant si, ça existe, puisque je l'ai inventé. Le goûter est prêt, les enfants. Voilà les garçons, je vous ai préparé de bonnes petites tartines. Nous, on ne veut pas de petites tartines, on en veut des grosses parce qu'on est des gros éléphants. Pas vrai, Boubou? Oui, même que Trotro, c'est un éléphant tigre.